que vous faites? Je ne mange que les marrons. YMCA. Mon prochain tournoi de Scrabble a lieu samedi à 1h au YMCA de Northside. Ce sera l'événement mondain de la saison. Peut-être que vous devriez venir? Vous me marchez sur les pieds quand vous voulez. J'ai fait ça? Ouais. Oh, je suis désolée, je... C'est rien. Ne recommencez pas. Ne me dites pas ce que je dois faire. Hein? De quoi? Marie? Qu'est-ce que vous faites ici? Francine. Oh, si vous saviez comme je suis embarrassée. J'ai beau être une fabuleuse femme d'affaires, quand je danse, j'ai l'air d'être une grande perche à moitié débile. Je croyais que vous n'aviez pas de cours avant Julie. Je sais, j'ai dû changer. Mais c'est parfait. Vous allez enfin rencontrer Eddie. Venez. Eddie, viens voir. Je voudrais te présenter l'organisatrice du mariage. Les deux personnes les plus importantes de ma vie vont enfin se voir. Eddie, voici Marie. Marie, voici mon fiancé Eddie. Enchanté. Enchanté. Bon, il faut que j'évalue le travail qui m'attend. Donc, je vais mettre de la musique. Vous allez danser et je vais vous observer. René, on y va? Oui, merci. Marie, voulez-vous danser? N'ayez pas peur de danser. Dansez, dansez, oui. Une vieille dame, hein? Écoutez, c'était... Ne tournez pas autour. Vous n'êtes pas venu ce jour-là parce que vous ne voulez pas vous marier. Quoi? Je vois ça continuellement. Vous voyez quoi? Marie? Hein? Oh, le parc est superbe. Ouais. Et vous serez les premiers. Personne ne s'est encore jamais marié ici. Oh. Vous avez tout faux. Pour un mariage, il est trop menaçant. Ah, Marie, c'est vous qui avez tout faux. Il n'est pas menaçant. Il est masculin. Il est protecteur. Cet homme est fort. Il est nu. Cet homme est robuste. Oh non, c'est pas vrai. Relevez-le avant que quelqu'un le voie. Vous êtes prête? Oui. On y va. Allez, l'homme est lourd. Oh, c'est voilà, gardien. Ça y est, voilà. C'est bien. C'est pas possible. Vous l'avez castré? Oh non. Vite, le gardien vient par ici. Ah, je suis désolé, mon vieux. Oh. On a du travail. Faut le réparer. C'est quoi ça? Ah, bien sûr, de la superglue, oui, bien sûr. Pourquoi n'ai-je pas emporté de la superglue, hein? Au cas où il perde son minou, c'est vrai ça? Et voilà. D'accord. Ben maintenant, faut que ça tienne. Ça marche? Tout est en place, ça y est. Oh merde, Steve est collé. Quoi? Steve a la main collée dessus. Bonjour. Bonjour. Monsieur, toucher les statues est formellement oui, interdit. Oui, monsieur. Vous aviez raison, c'est du plâtre, c'est pas du granit. On avait fait un pari pour savoir en quoi c'était fait et elle a gagné. Oui. Oui. Monsieur? Oui. Votre main, monsieur. Maman. Ah voilà. Eh oui. Un pénis en plâtre. Je l'aurais parié plus gros. Eddie! Oh, il y avait un chevreuil sur la route. Vous avez vu ça? Ce n'est pas un travail pour un homme. Vous restez avec moi et on va faire de la complicité masculine. La complicité masculine. Vous et moi, Massimo, oui, on va laisser les dames, enfin je veux dire les futurs mariés, s'occuper de leurs affaires. Bye bye les filles. Oh, bien avant qu'elle ait de la poitrine. Croyez-moi, dans ces temps-là, elle n'était pas aussi jolie. Non? Regardez, un centre de remise en forme. On fait la complicité. Suivez-moi. On fait la complicité. Suivez-moi. Allez-y, doucement, hein. J'aime la vitesse. Eh, vous aimez la vitesse. Hé hey. Plus vite. Plus vite. Courez comme un homme, comme moi.
revenir? Non. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai tout mon sang qui me monte à la tête. Je vais m'évanouir. Je vais tuer Marie de m'avoir laissée toute seule ici. Oh, je ne sais pas quoi Penny, faire. Penny, allons respirer. De quoi est-ce que vous parlez? Je vous parle de l'organisatrice de votre mariage qui m'a laissée toute seule ici pour aller à la mairie se marier. Se marier? Qu'est-ce que... Quoi? Marie va se marier? Oui, se marier. Vous voyez, se marier. Non, elle ne peut pas se marier. Se marier. Se marier. Vous savez, tout ce que vous deviez faire. Oh, c'est bien. C'est génial, c'est top. Je vais annoncer ça à tout le monde. Je vais faire une conférence de presse. Et de se marier aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais alors pourquoi vous perdez votre temps à discuter avec nous? Je ne sais pas où est-elle. Ah, ah, mais qu'est-ce que vous attendez? Je vous en ai dit. Lui, je l'aime, c'est un docteur.